postale littéraire. La carte postale d'aujourd'hui provient d'Écosse. Il s'agit d'un extrait du roman de Jenny Colgan, Une saison au bord de l'eau. Elle débarqua en dernier, les touristes la précédant d'un pas hésitant, puis pénétra dans le petit hangar de tôle auquel il donnait le nom d'aéroport. Le car était empli des premiers vacanciers de la saison, tout excités, soulagés qu'il ne pleuve pas, équipés de vélos, de cannes et de guides touristiques. La hare, la brume marine, ne s'était pas encore levée, mais le soleil perçait malgré tout, si bien que la petite ville semblait sortir d'un nuage de fumée dans le lointain, entourée de mystères et de magie. Les collines vert foncé descendaient en pente douce jusqu'au sable d'un blanc éclatant, caractéristique de cette partie du monde. Les longues plages s'étiraient à perte de vue. On comprenait facilement pourquoi l'île avait paru si attrayante aux hordes de vikings qui se l'étaient appropriée et l'avaient nommée, et dont le sang courait encore dans les veines de ses habitants aujourd'hui. Les hommes et les femmes politiques de Westminster n'y mettaient jamais les pieds, ceux d'Édimbourg très rarement, Mur se suffisait à elle-même, tout en haut, à l'extrémité.